Alors voilà, ça c'est Léopold. Et Léopold, il était toujours très très attentif à ce que je faisais. C'est pour ça que j'ai fait son portrait là. Très très gentil. Quand j'étais à Rungis, des toiles comme ça, j'en ai peint 50. Puis, les peu qui sont intéressés, ils ont dit, il est fou, quoi. Et puis, ils disaient aussi que ça n'a rien à faire avec l'art. Alors moi, j'ai vu ce tissu long, j'ai peint une tranche de lard, du bacon, vous savez. Et vous savez ce que j'en ai fait? Un foulard. Puis ça n'a rien à voir avec l'art, il est fou. Eh bien, j'en ai fait un foulard. Hop! Je ne pense pas que je suis un peintre. Je suis un créateur d'ambiance. Parce que j'ai plaisir de voir ça, vous voyez, une poule comme ça, une poule comme ça. Là, ça me fait plaisir. Alors, quand il y a des artistes qui viennent, qui disent la règle de ci, la règle de ça, eh bien, je vais mourir sans connaître ces règles. Vous voyez, je me fais mes règles à moi. J'ai un ami ferblantier qui va découper ça, il me les apporte, et après je peins. Puis après j'irai les placer en campagne où j'ai envie. Bien sûr qu'on dit c'est un boucher. C'est pas un artiste, mais j'accepte, je suis boucher. Moi, tout ce que je sais, je l'ai volé, je l'ai appris en regardant. Une œuvre est que une œuvre s'il y a un admirateur ou bien un qui la voie. Il faut que ça soit beau, et puis, si en plus, ça fait plaisir, alors c'est coup double. Ça va droit dans le cœur. Des fois, il y a des amis qui viennent, on a toujours un peu de vin, mais pour manger, ils ne mangent pas souvent là. Je suis là normalement entre 7h et 8h, jusqu'à 5h de l'après-midi. Ça, c'est normal, je suis là. Alors, je mange toujours ici, et puis, je suis toujours à la recherche. Je ne sais pas de quoi, mais je cherche. Mantel aus.
Maria, Güte, uns alle Zeit behüte. Maria, voller Güte, uns alle Zeit behüte. Mon expert de la maîtrise fédérale, René Margot, de Neuchâtel, il n'y croyait pas quand je faisais des salamis pour qu'ils réussissaient. Je suis venu mettre une bougie chez Saint-Expédite parce que j'y croyais qu'il m'aidait. Et lui, il raconte cette histoire, il n'en revenait pas. Alors quand on croit, c'est beau. C'est pas un show. C'est beau. Des artistes qui ont fait ça. Extraordinaire. Petit garçon, on était là, on venait voir cette crèche. Fils de boucher, puis on voyait même une boucherie. C'était aussi important que le bon Dieu. Non, ça reste dans la tête. Magnifique. On était 5 garçons et puis une fille. Mon papa est mort, j'avais pas 16 ans et après il fallait continuer avec maman cette petite boucherie. On dépensait rien, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Jusqu'à 20 ans ou plus, je n'ai jamais mangé un filet de bœuf. On le vendait. Vous comprenez? On avait toujours du ragoût. En souvenir, hein, on fait quand même le signe pour un bonbon, on a pris à midi. Tu te rappelles quelle vie? On était grand-mère. Hein. Là, on va aller au marché aux poissons. Jean-Pierre, hein. Je le connais depuis l'enfance, c'est-à-dire 70 ans. On est né dans la même rue. On a passé toute notre enfance ensemble. C'était la belle époque. Il a eu un courage très fort et je crois que ça l'a aidé dans la vie. Et en même temps, je crois qu'il est aussi très sensible. C'est vraiment un gars formidable. 4 heures au couvent de Corbelais, comme quand on avait 10 ans. 214, 215, avant. Et moi, j'étais au 227, là-bas. Et maintenant? Les numéros ont changé. Et tu avais ta chambre au deuxième. 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 Et là, il n'y avait que charcuterie. Et puis là, il y avait boucherie. Le laboratoire. Oui, mais avant, il y avait deux boucheries. Oui. Là, il n'y avait que du porc et là, il n'y avait que du bœuf. Ah. Puis là, le musée, tu te rappelles? Ah, mais il y avait des pigeons. Mais bien sûr, le cirque ni venait à Fribourg, il mangeait les pigeons flambés, là. Et c'est nous qui les ramassions pour un franc. Dans le nid, ben, ils volaient pas. Était là-haut. C'était pas des pigeons Air France avec 20 000 heures de vol. Ils étaient dans le nid seulement, tu comprends? Alors, on va aller boire un verre dans la rue. Colpatto. Ça
santé. Fleuc, santé. Saint-Pierre, santé. Santé, santé. Le plaisir de voir. C'est le grand frère, mais le plus jeune. Non, il me doit le respect dans l'âge. Puis non, bon, on s'entend toujours bien, on n'a pas de... On était les deux dans le même lit, à côté il y avait maman, de l'autre côté il y avait un lit où il y avait la petite sœur, et puis derrière il y avait une chambre qui était ouverte, c'était Zalo, l'autre frère, puis les grands, ils étaient en haut, n'est-ce pas? Non, les grands. Ma foi. C'était chaud dans ces chambres, ben vous vous réchauffiez deux dans le même lit, alors? On se réchauffait avec le bâton quand maman, elle venait, quand on se chicanait. Ah. C'était une... On ne peut pas expliquer quand on perd le parent, le papa. Moi, j'en avais 18, Jean-Pierre en avait 15 et demi. C'est l'âge qu'on a besoin d'un père. Et on s'est débrouillé. Tatia Léonard, les saucisses, les... On a tiré le char avec maman comme... Je ne veux pas dire comme si rien n'était, mais on a pensé qu'il faut y arriver. Et on est pas mal arrivé, on est... Vous n'avez pas arrêté de travailler. Vous on connaît ça, puis on reste comme ça. Ah, on sait faire que ça. Le travail n'a jamais tué. J'allais vers mes 33 ans, comme on a fermé tous ces abattoirs, je voyais qu'ils allaient aussi me fermer la boucherie. Alors moi, avec Franz Ebischer, un galeriste, on a parlé, on a bu, et il m'a dit, mais écoute, alors il faut vendre de la viande peinte. J'ai dit, mais pas possible. Alors il est allé acheter une toile et des tubes de couleur à l'huile. Il arrive à la boucherie, il a dit, voilà, fais quelque chose. Et j'ai fait, en moins d'un mois, une centaine de tableaux. Quand vous voyez cette carcasse comme ça, les pieds, tout, ces couleurs, j'adore ça. Et à l'époque, on présentait les agneaux entiers dans les boucheries. Et aujourd'hui, on ne voit plus ça. Je n'ai pas dit que les gens n'aiment pas voir. On ne leur donne plus à voir. Je montre aux gens que sous la peau, il y a de la chair. C'est ça mon message. Et puis c'est tout, il ne faut pas chercher midi à 14h, il ne faut pas chercher autre chose. Ici, on tuait les grosses bêtes. Donc les bœufs, et le mercredi après-midi, tuaient des chevaux. Là-bas, il y avait une porte qui allait aux abattoirs des petits animaux. Donc les veaux, les cochons et les moutons. Et il n'y a plus la porte.
plus les crochets où les animaux étaient pendus, ces cartèlements, il y avait... Maintenant, c'est une belle exposition. Voilà un couteau pour flammer. Voilà un couteau pour saigner. Et puis voilà un couteau pour couper la tête. C'est cet estomac là qu'on sort de ces carcasses d'animaux. Vous avez ici le filet. Il est là. C'est pas beau, ça? L'homme le plus important, c'est celui qui est à l'abattoir. C'est celui qui fait la mise à mort de l'animal. C'est le sacrificateur. C'est ça le vrai terme. La mise à mort d'un animal, c'est une chose très dure. Très, très dure. Moi, j'ai jamais aimé tuer. Jamais. C'est tellement vivant que... C'est jamais rouge ou jaune, c'est une ambiance, il y a de la chaleur qui monte, il y a des odeurs, il y a des chaleurs, il y a... possible. Par contre, écrire, on peut prendre le temps qu'il faut. Et puis, il y a quelque chose par écrit. Et pour bulle, alors, on fait un taureau. Un taureau rouge, vous voyez. Alors ça, j'écrirai demain entre les timbres. Ça, tout le monde est content. Moi, je m'énerve pas de courir au téléphone. Ouais, ouais, non, oui, ouais, d'accord, je viens demain. C'est devenu tellement... C'est pas que c'est venu vite, c'est venu fou, fou. J'admire, hein, je dois dire, j'admire. Si ça va, ça va. Pour moi, ça va autrement. Et puis, ça va bien. Pour Marie-Hélène? Oui. Ah, oh, mais normalement, il est là. Pour maman. Ah, il est là! C'est bon. Bonjour. Bonjour. Pierrot, il faut que tu voyes ça. Oh, pas bon. Là. Je veux voir. Ici. Là. Ça, c'est le Spoutnik. D'accord.
Et j'ai toujours collectionné les chenilles, après j'ai toujours rajouté. Moi j'ai même ajouté machine à écrire. Après j'ai ajouté encore... Et ça c'est un réacteur, après réacteur, il cherche et... un autre space. Ah, un autre espace. Un trou noir. On dit comment ? Einstein a dit on trouve le trou noir. D'accord. On n'est pas fini. On est encore sur le développement. Comme dans un espace, voyez. Die Schwerkraft, die Anziehungskraft. Peut-être on peut aller comme ça. Voyez. Peut-être. Ça, c'est juste un prototype, peut-être. Un jour, ça joue. Alors, je suis croyant. Maurice, je le connais depuis 30 ans. Mais on n'arrive pas à le cerner. 100% sûr. Ça, c'est mon bouton. Lui, ça, c'est son monde. Ouais, c'est hein. Quelque chose de... Voilà. Peut-être une connerie. Ça, c'est une parachute. Ça, c'est moi qui ai acheté une fois ça. En Bayonne. Pour les avions. Oui, pour freiner les avions, là. Il a un parachute. Oh, alors, tu peux descendre la stratosphère avec bien ça. Sûr. C'est toujours con, mais... Oh, il y a une photo de Rebroff, Arthur. Oh, il lui parle, mais vous rendez compte. Ça, ce sont des artistes. Moi, je suis trop carré, trop sérieux. Pour être artiste, il faut beaucoup plus. Il faut souffrir. Quand vous savez plus comment est là. Il doit avoir une force du diable. Il doit avoir quelque chose. On dit nul n'est prophète en son pays, mais... Et lui, il est reconnu partout. Il a exposé dans les abattoirs à Chicago, il a exposé à Shanghai, à Tokyo. Il a fait, pour ainsi dire, le tour du monde. Mais en Suisse romande, un peu moins. Peut-être qu'il en souffre, oui. J'avance avec l'âge, plus ça me paraît facile. Oh, je dois quand même vous dire que il faut plus de temps pour signer que pour peindre, hein. Prochain. Thank you.
C'est du plaisir. J'ai jamais dû travailler. J'ai voulu, je veux faire ça. Je dois pas, c'est inutile. Mais c'est rien du tout. Et c'est tellement important.